mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Voici donc le stade de Bavmar, qu'on appelle également AZ67. Le coup d'envoi va bientôt être donné par le l'arbitre de cette rencontre. Monsieur Talat Toka est un que là, vous avez actuellement une de photo. Oui, avec deux joueurs à signaler. Eric Benoît qui s'est arrêté et c'est Yannick Stopira qui va engager dans quelques instants. Je crois qu'on a quatre défenseurs et seulement deux attaquants de pointe. Kiss Toll, le numéro 11. Ça va, il est à 20h30, mais c'est d'accord. Sur la gauche, qui est le camp favori des Socialia, il commence toujours les matchs. Qui a été effectué par Moussa Bézaz pour Bernard Benzini. Donc une chance de passer, contrée par Juncker, et c'est une nouvelle touche, mais cette fois, Gazelle 67, donc, des Néerlandais qui prennent tout leur temps, touche effectuée par le capitaine Hugo Hovenkamp, en retrait pour Metgold, et pour le gardien, Eddie Kreitel. Eddie Kreitel, 1m73, qui avoue lui-même être assez peu à l'aise dans les balles aériennes. Tête de Rudy, Yannick Stopira prend le dessus devant Spelbos. Eric Benoît qui fait sa rentrée ce soir. Djurkalic, Djadaoui. Ah, il y a peut-être, oui, il y a Belzel. Attention à Toll qui s'est engagé. En retrait pour Nygaard, le Danois. Juncker, signalé hors jeu. Il y avait d'ailleurs deux joueurs néerlandais en position de hors jeu. Une équipe d'AZ qui joue donc en 4-4-2 avec deux attaquants de pointe qui sont Kistol et Belzel. Et toutes les équipes que ce soir rencontrent en Coupe d'Europe jouaient en 4-4-2. Bézaz pour Yannick Stopira. Et en sandwich entre Spelbos et Nygaard, et c'est un coup franc qui va être tiré peut-être par Bernard Jaguini. Rapidement joué avec Eric Benoît. Patrick Lévy devancé par son adversaire direct, Vandenmeer. Arrière droit donc, Jaguini devant Arp. Ah, il était sur son mauvais pied, c'est dommage, mais c'était peut-être pas terminé avec Patrick Lévy. Oui, le juge de touche a levé son drapeau, c'est donc une sortie de but. Patrick Revelli qui dispute ce soir son 36e match de Coupe d'Europe et sa 3e demi-finale européenne. C'est un très très beau palmarès pour Patrick qui n'a pas encore 30 ans. Beau palmarès aussi pour cette équipe de Sochaux que l'on n'attendait pas là en début de saison. Ted Benoît, Bezaz, Hovenkamp, le capitaine de cette équipe irlandaise qui perd le ballon devant Yannick Stopira, Djurkalic maintenant. Ah, ça ne sera pas facile, eh oui. Il n'y avait pas grand chose à faire pour cette action. Djurkalic, il n'y avait que Jaguini sur sa gauche, mais beaucoup de rouge également en défense. C'était la meilleure solution, il fallait tirer. Djurkalic, donc ce numéro 8 de l'équipe de Sochaux qui a marqué deux buts en Coupe d'Europe. Et vous vous souvenez certainement du but qu'il a marqué au tour précédent contre les Grasshoppers de Zurich. Premier but sur corner direct. Dégagement de Kreitel, loin devant pour la tête de Ruti. Les Sochaliens sont bons de la tête dans ce début de match. Bernard Jaguini, Patrick Revelli, aux prises avec Vandermeer, revient vers le centre. Jaguini, Patrick Revelli, très bien joué. Antieni. Et tir de Philippe Antieni. C'est le premier tir dangereux de la partie après 3 minutes de jeu. Ça commence bien. Ah oui, Sochaux est parti très bien dans cette partie. Et déjà deux bons tirs tout à l'heure, Djurkalic. Et là, Philippe Antieni qui tient finalement sa place. Alors qu'il était incertain, il souffre d'une légère contracture en haut de la cuisse. Jaguini.
Turkalic, sans doute en retrait pour Benoît, préfère fixer finalement Hovenkamp. C'est assez bien fait, mais là, oui, il fallait peut-être donner ce ballon en retrait. Interception Peters. Vous voyez les contre-attaques néerlandaises, ça va très très vite avec Toll. Les rouges remontent rapidement le terrain maintenant. Toll en profite pour conserver le ballon et c'est un corner ici, concédé par Abdel Jadawi. Premier corner donc pour cette formation. Z67. Ouais, j'aurais dit très rapidement à nos amis de la SFP qu'on a un retour trop faible dans le casque, alors que le corner est tiré par Jonker. Dégagement de Jengili pour la tête de Stopira, oui, bien joué. Jurkalik pour Stopira qui va peut-être prendre de vitesse Spelbos, non. Passe entrée de Spelbos à Treitel. Ah, Yannick Stopira aura un match, il y aura un match dans le match entre Yannick Stopira et la défense centrale d'AZ. Les deux colosses, Spelbos et Medgod. Surtout dans le jeu aérien, vous savez, Yannick Stopira est très à l'aise. Il s'agit de jouer de la tête. Pour l'instant, c'est Ruti, Benoît, Posca, Bezaz. Oui, il lance Benoît, c'est bien fait. Et là, ce n'était pas facile, il était bien seul, Eric Benoît. Il manque encore un peu de conditions après cette fracture du métatarse qui a éloigné plusieurs semaines des terrains. Il n'a joué qu'une fois en division 3 et puis récemment un match amical contre Tavo. Medgod. Ah, Benzel et finalement Ruti, alors que Patrick Révelli, involontairement bien entendu, avait placé dans des conditions idéales l'Autrichien Benzel. Bezaz, Jurkalik, Bezaz. La balle n'est pas sortie, est sortie. Non, finalement, l'arbitre a commencé à lever son drapeau, il l'a rabaissé. Et finalement, il s'est tourné vers Monsieur Talat Kotat. C'est une touche, c'est une touche. Le premier jugement était le bon. Jurkalik était parti, il fait signe aux supporters de ne pas lancer de projectiles sur le stade car il y a eu des petits problèmes au match précédent ici. Le terrain avait été envahi un peu avant la fin. Mais Sochaux paye une amende rondelette de 9 millions de centimes. Alors, il vaudrait mieux pas trop que ça se renouvelle souvent. Bezaz, Jurkalik.
Bosca devant Hovenkamp, arrière latéral toujours très offensif et qui revient cette fois dans son camp pour éviter un corner, semble-t-il, oui. C'était juste. Et il est fait à son propre pied pour l'instant par Andjali. Et il obtient un corner, Philippe Andjali, qui était incertain, qui souffrait d'un début de plaquage à la cuisse droite. Corner donc par Djurkalic, je vais pour le mettre direct pour la droite. Là, ce sera tout de même difficile de ce côté. Ruti est monté, tête de Stopira. Medgoz est finalement en sol. Benoît. Oui, Patrick Révelli. Et tir de Patrick Révelli, bien arrêté par Fredzel, alors qu'au centre, Lélie Topira faisait des grands signes. Vous avez vu que la défense néerlandaise peut être facilement prise de vitesse. Cela a été le cas deux ou trois fois déjà depuis le début de partie. Djurkalic en retrait pour Jagini. Bosca était bien placé, Jagini l'a vu, mais il préfère revenir vers le centre. Là, ce sera difficile tout de même. Et c'est Metzgott qui peut donner à Arne. Peter et Metzgott est parti sur l'aile droite. Pour l'instant, c'est Nigard. Contact de Ruti et main de Ruti, là, oui, oui. Devant Kistol. Il prend environ 30 mètres au début d'Alberto. Le match est commencé depuis 10 minutes et au cas où vous prendriez cette transmission en cours, eh bien il y a 0 à 0. Autrement dit, vous n'avez rien perdu d'essentiel. Et c'est un coup franc en faveur de l'équipe néerlandaise d'Alkmaar qui va être tiré soit par Hovenkamp, voilà qui est fait, du pied gauche. Et il y avait hors jeu de Arndt sur ce coup franc. Et les Peuchadiens se dégagent avec Jadawi, Ruti. Loin devant pour Topira, et ça revient dans le camp de Sochaux, Abdel Jadawi qui a met dans le vent parfaitement les deux flèches d'AZ. Ruti, il cherche à nouveau la tête de Topira, ballon récupéré par Benoît, Topira, Benoît, à nouveau Topira, qui a tenté de passer, Eric Benoît, tire d'Eric Benoît qui est contré par Metzgott. Et les Néerlandais se dégagent par Hovenkamp. Finalement, le ballon est récupéré par Ross. Il y a une faute sur Philippe Antiani. Une faute de 10 yards. Alors on se souvient d'une souffrance magique de Jacques. Voyons voir. Un petit peu plus loin, là, tout de même. Enfin, nous allons bien voir. C'est Jacques précisément qui pose le ballon et qui va tirer directement. Sans doute. Pour une fois sans la distance réglementaire, non. L'arbitre, attention, Gingini, non, au-dessus. On ne marque pas tous les coups, Gingini qui marque à peu près un coup franc sur trois, d'après ce qu'il nous a dit, ce qui est tout de même pas mal, une bonne réussite. Il s'est entraîné avec des mannequins de bois, comme l'avait fait Michel Platini il y a quelques années à Nancy. Et il marque un but à chaque tour de Coupe d'Europe. Au premier tour contre le Servette, au match retour. Ensuite, Boavista, au match aller. Francfort, on s'en souvient, à l'aller également. Et puis, plus récemment, c'est un début dont on parlait à l'instant, contre les Grasshoppers de Zurich. Toll, non, ça va trop vite. Nouvelle sortie de but et début de match pour le moins prudent des joueurs néerlandais. Ils viennent pour gagner, par ici. Pour l'instant, ne se sont montrés guère dangereux. Tout le monde a raté ce ballon, passe Melbos tout de même. Et comme en pointe, il n'y a pas grand monde. Et bien, ce ballon revient pour Sochaux avec son capitaine Jadawi, Eric Benoît, excellent en ce début de partie. Qui a bien manqué à son équipe tout au long de la saison. Patrick Révelli, Arndt et Wenzel. Des grands signes. Heureusement, il y avait Ruti, car là-bas sur la droite, il y avait Arndt. Benoît pour Bezaz. Ah, donc ça reste complètement sans contrôle. Beaucoup de maladresse là pour l'instant, de part et d'autre.
touche jouée par Ligard très rapidement pour Wenzel, qui ne passe pas Jean-Pierre Posca. Posca et Rudy, alors que là, nous avons le commentaire néerlandais en retour. Rudy, veel aan de linkerkant spelen. Maar als Wels aan de bal is, dan dekt hij hem af. Peters onderschept. Arns. Voilà, c'est fini. Et attention là, Arns est parti. Et a marqué. But qui est accordé par l'arbitre, monsieur Talat Kotat. Et c'est un but de Peter Arns que nous revoyons, Didier. Oui, après un très joli 1-2 avec Peters qui a surpris tout le monde, même nous d'ailleurs, la défense socialienne semblait bien placée. But d'Arns, donc vraiment un remarquable 1-2 entre Peters et le buteur, le numéro 8 de cette équipe d'AZ 67. Et comme contre les Grasshoppers de Zurich, donc. Et contre Boavista, toujours au stade Bonal, Sochaux se retrouve mené sur son terrain. Ah oui, c'est un coup dur pour Sochaux. Et René Hauss, qui est à nos côtés, va nous faire peut-être un rapide commentaire sur cette remise en touche. Nous suivons pour l'instant l'action, Durkalik. Ah, c'est un coup dur pour Sochaux, René Hauss. Comment ? C'est un coup dur pour Sochaux. Oui, indiscutablement. Remarquez, maintenant, je vois la réaction de mon équipe, elle va digérer ça. Enfin, je pense que c'est une erreur de d'occupation de terrain au départ. Philippe Anceny, bon, il était parti dans une action offensive, mais finalement, il a délaissé l'aile gauche carrément. Alors, ça fait que de là, le danger était venu. Merci, et nous allons donc continuer. On en est à la 16e minute, et maintenant, Alkmaar mène par 1-0, Didier. Oui, oui. Explication intéressante de René Hauss. Et pourtant, généralement, l'équipe d'Alkmaar est très dangereuse sur le côté gauche, car il y a trois gauchers, là, Jonker, Hovenkamp, qui monte très souvent, pas beaucoup pour l'instant, et le troisième, c'est Nygaard, le Danois. Et là, le danger est donc venu de la droite. Mauvaise occupation du terrain, tout au moins sur cette action, comme vous l'a dit René Hauss, notamment de Philippe Anziani, ici en possession du ballon, Yannick Stopira. Rudy, oui, qui va sans doute donner à son gardien de but, parce que là, Jadawi était marqué de très près par le Danois Nygaard. Ah, revoici le commentaire néerlandais. Non, il est reparti. Hovenkamp. C'est mauvais signe, c'est quand on a le commentaire néerlandais qu'il y a des buts. Jangili. Rudy. Jangili à nouveau. Rudy, non, intervention de Peters. Nygaard. Jonker. Et le ballon est toujours pour AZ, Hovenkamp. Tranquillement, tente de trouver Medgod. Intervention de Yannick Stopira, Durkalik, Bezaz, Jadawi. Eric Benoît renverse pour Philippe Anziani. Et Sochaux soutenu par les 18 000 spectateurs présents ce soir au stade Bonal. Jengini. Patrick Revelli. Anziani. Anziani va tirer peut-être, oui. Récupéré par Benoît, non. Dégagement de Jonker, Bezaz. Benoît à nouveau. Et tir d'Éric Benoît qui paraissait anodin au départ et qui, à l'arrivée, finalement, s'est montré assez dangereux. Oui, disons que on a eu l'impression d'ailleurs qu'il centrait, hein, en fait, et qu'il oui. A eu un faux rebond et c'est devenu un tir. Mais au départ, c'est sans doute un centre, hein, Michel. Voilà, c'est un centre ou un tir, comme vous le font remarquer les entraîneurs. Il n'y a pas de centre-tir. Mais là, c'est un centre qui est devenu un tir, peut-être. Voilà, exactement. Et un faux rebond qui aurait pu être profitable à Éric Benoît. Dégagement directement en touche d'Eddy Treitel. Touche effectuée par Philippe Anziani pour Rüti. Loin devant pour Yannick Stopira, un peu trop loin. Medgod récupère, Johnny Medgod en retrait pour son gardien. Maintenant, évidemment, les Néerlandais n'ont aucun risque à prendre. C'est une bonne affaire d'avoir marqué un but à l'extérieur. Surtout quand Sochaux n'en a marqué aucun. Rüti, Vandenmeer, Peters, Spelbos pour Jonker. Il s'en sort bien là devant deux Sochaliens, notamment Bezaz. Patrick Revelli, une petite faute peut-être au passage, et Jonker pour Treitel qui va pouvoir relancer avec Hovenkamp.
Medgod, Peters, un peu l'homme à tout faire de cette équipe d'Alkmaar. Medgod qui n'hésite pas à monter, c'est la troisième ou quatrième fois, bien que libéraux. Extérieur du pied droit de Peters pour Van Delmeer qui a Nygaard, le voici. Encore un beau 1-2, la défense de Sochaliel est débordée, centre de Van Delmeer, il y a encore le pied gauche de Nygaard. Oh, ça aurait pu faire très très mal, et voilà, encore avec un 1-2 et tout cela rapidement joué avec une ou deux touches de balle grand maximum. Action superbe qui s'est terminée par un tir du pied gauche, bien entendu, de Nygaard qui est gaucher avant tout. Hors du cadre, mais c'était vite fait et bien fait de la part des Néerlandais. Sochaux qui repart à l'attaque avec Janewi, qui monte un peu, qui veut jouer avec Genghini, et finalement, c'est une touche. Ah, ça a été un coup dur ce but tout à l'heure de Harms à la 15e minute. Les Sochaliens ont dû en prendre un petit coup au moral, mais je crois que la préparation psychologique de cette équipe est suffisante pour penser qu'ils peuvent surmonter ce passage. Spelbos qui rate son contrôle de même que Patrick Revelli. Et il y avait un hors-jeu qui était signalé. De Hovenkamp qui n'est d'ailleurs pas content, qui reproche à Spelbos de ne pas l'avoir lancé plus tôt. Il faut dire qu'il était bien seul au départ d'action. Et puis après, Patrick Revelli était venu très rapidement se replacer. Jadawi. Ruti. Pour Jadawi qui va peut-être revenir sur la droite. Stopira, une faute de Spelbos et nouveau coup franc assez bien placé alors que Yannick Stopira semble sévèrement toucher la cheville. Non. Il est touché, mais il va se relever le ralenti, Michel. Voilà, on voit bien la faute de Spelbos qui a taclé par derrière Yannick Stopira qui s'est effondré sur ce tacle et c'est un coup franc donc. Qui va être tiré par Durkalik peut-être. Alors que Yannick Stopira a du mal à se relever, ou en tout cas plutôt, oui, il boitille. Souhaitons pour lui que ça ne soit pas trop grave. Coup franc tiré par Durkalik très vite et au-dessus. A pas de réussite dans les coups francs pour l'instant. Deux coups francs pour Sochaux en bonne position. Et tous les deux au-dessus, le premier par Genghini et le deuxième par Durkalik. Et le match est commencé maintenant depuis près de 22 minutes. Et toujours un but à zéro en faveur d'Alkmaar. Qui se dégage maintenant avec son gardien de 35 ans. Donc un gardien d'expérience. Eddie Treitel. Oui, de très grande expérience. Il avait même remporté la coupe de l'UEFA. C'était en 73 avec le Feyenoord de Rotterdam. Son ancien club. Là d'où vient également l'entraîneur Georges Kessler. Belzel devant Jadawi. Petite faute de Van Delmeer peut-être, mais Patrick Revelli a bien joué le coup de la bascule. Il n'a même pas essayé de reprendre ce ballon de la tête. C'était finement joué, le revoici Patrick Revelli pour Anziani. Ah, et l'arbitre taclé par Belzel, hein, volontairement bien sûr. Attaque assassin de Belzel, alors qu'Anziani cherche et trouve Durkalic. Et M. Takota qui est bienvenu, ça devient le petit but de Chelsea. Tête plongeante. Le centre de Durkalik est parfait et l'arrivée de Genghini à fond est superbe. Tête plongeante donc de Bernard Genghini qui marque son cinquième but en Coupe d'Europe. Les Néerlandais craignaient beaucoup Bernard Genghini. Ils avaient raison, c'est l'égalisation. Disons que c'est très bon pour le spectacle, c'est très bon pour Sochaux et c'est très bon aussi pour Bernard Genghini qui joue ce soir sous les yeux de Michel Hidalgo, comme tous les joueurs de Sochaux. Égalisation de Sochaux à la 23e minute. Alors on vous l'a dit, il marque un but à chaque tour de Coupe d'Europe maintenant et il pourrait peut-être changer la formule et marquer deux buts à chaque tour, ce qui ne serait pas si mal. Donc très beau but après le tacle de Belzel sur monsieur, je l'appelle Takotak, mais c'est Tabat Tokat. C'est Talat Tokat. Oui. Ils ont Tokat, ça sera plus simple. Oui, ça sera beaucoup plus simple, il nous en voudra pas. Alors on a hésité là entre Anziani et Ruti. Voilà. Bien bon tac là devant Harms, Van Delmeer et une touche pour Sochaux. Le match est relancé. Un partout. Un début de match passionnant et deux buts à l'arrivée. C'est tout de même pas si mal. Deux très jolis buts du reste. Genghini, Jadawi et le public qui se réveille. Patrick Revelli. Ruti, Genghini qui fait les grands signes, le voici Genghini. Ah, il rate son contrôle, il pensait sans doute que Nygaard
allait mettre la main. J'ai bien pensé également qu'il allait mettre la main. Et au dernier moment, le numéro 10, Sochalien, a été surpris. Les Sochaliens se sont très très bien repris, donc, après avoir encaissé ce premier but. C'est une équipe solide, vaillante, qui ne baisse jamais les bras. Belle ouverture d'Éric Benoît pour Genghini, il y a hors-jeu, là les Néerlandais passent un mauvais moment, c'est à leur tour, hors-jeu qui est joué rapidement, Nygaard loin devant pour Toll, l'intervention de Posca, Éric Benoît qui donne à Stopira, Genghini, Anziani, les Sochaliens se trouvent parfaitement sur le terrain en ce moment, Jean-Luc Ruti, Éric Benoît, ah non, suffit de le dire. Et loin devant pour Toll, que Posca ne lâche pas d'une semelle. Kees Toll, grand espoir du football hollandais, il a 23 ans. Deuxième buteur du championnat. Et il perd la balle au profit de Bezaz. Et Bezaz qui va lancer peut-être Durkalić sur la droite, ou renverser complètement pour Yannick Stopira. Non, il perd le ballon. Intervention de Spelbos, Jonker. Oh, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu, mais c'était Eric Rack. C'était Eric Rack parce qu'il semblait bien que Jonker était parti de son propre terrain. Là où Posca a joué le ballon, c'est sans doute pas de là qu'était parti Jonker. Tout cela était bien litigieux. Attention donc, tête de Stopira. Anziani qui prend le dessus devant Svenbos, il faut le faire. Et Patrick Révili qui tente sa chance. Stopira devant Arns. Ils tombent tous les deux. Yannick Stopira rajoute un peu, se relève. Vandenmer, Hervé, Patrick Révili. Ouais. Tête de Durkalić, non, Jachini. Contré par Ovenkamp. Benoît. Oui. Benoît toujours. Anziani. Oh là là. Ah, c'est une action folle de Sochaux. Et un corner, le ballon a été dévié au passage, estime monsieur Tocat. Corner qui va être tiré cette fois par Genghini. Sochaux va passer la vitesse supérieure, c'est le moins que l'on puisse dire. Corner tiré donc par Bernard Genghini pour la tête peut-être de Yannick Stopira qui a été excellent de la tête depuis le début de ce match face au grand défenseur d'Alkmaar. Attention. Et voilà, et c'est parti avec Durkalić qui est séché par Arns. Et l'arbitre, alors là c'est très important, l'arbitre monsieur Talat Tokat donne un carton jaune à Peter Arns et il était le seul à avoir déjà un carton jaune à Alkmaar. Autrement dit, Arns ne jouera pas le match retour. Ça peut compter. Et ce carton jaune est justifié car la défense des Rouges avait très mal joué le hors-jeu. Une nouvelle fois, les défenseurs étaient remontés très rapidement, mais pas suffisamment, et la faute de Arns était tout à fait volontaire. Car Durkalić partait seul au but, Durkalić qui va encore tirer ce coup franc. Cette fois il trouve le mur et les Rouges qui montaient encore rapidement et bon tir là de Durkalić. Ils ont du culot ces Sochaliens et c'est très agréable à voir à l'image de Durkalić. Donc il se bat beaucoup. Ils ont un peu le fighting spirit. Donc avec ce dégagement de Treitel maintenant. Il y avait peut-être une faute de Posca, l'arbitre laisse jouer, Stopira pour Durkalić. Benoît. Non, ça sort en touche. Ovenkamp qui a bien du mal à maîtriser Durkalić pour l'instant. Ovenkamp qui nous n'avait pas semblé au mieux récemment en Coupe de Hollande contre Haarlem. Il faut dire qu'il souffre d'une blessure au genou depuis son match contre l'équipe de France. Il n'avait d'ailleurs pas disputé la deuxième mi-temps de cette rencontre, vous vous en souvenez. Arns, Nygaard, Peter s'est engagé, Arns l'a vu. Ah, c'était juste. Stopira, Ruti qui relance très bien là-bas pour Patrick Révili. Au centre, il y a Durkalić, vous le voyez sur la gauche de votre écran. Patrick Révili est passé, Genghini est monté, le voici Genghini. Ah, c'est extraordinaire! Ah, il s'est jeté! Ah, j'ai bien cru que M. Tocat oui. Allait accorder un pénalty. On est là au pénalty. Mais Genghini, peut-être un ralenti, Lucien, sur cette faute, à moins que ça reparte très vite. On n'a plus rien sur l'écran, là.
Oui, j'imagine voilà. qu'il avait sans doute un peu rajouté. C'était bien fait en tout cas, comme signe Eagle il y a quelques années avec Saint-Etienne, cela a été souvent payant. Arns, alors qu'un joueur néerlandais semble assez sérieusement touché à la cheville, c'est Vandenmeer qui se relève. Reitel sur Rovenkamp avec Patrick Rovelli qui a alterné, qui a changé d'aile avec Durkalić, Abdel Jalawi, Jenghini, marqué par Peters. Très mal marqué d'ailleurs par Peters. Ouais, tant mieux pour les Socialiens. Ballon récupéré par Peters en l'occurrence pour Nygaard. Pied gauche de Nygaard et nouveau hors-jeu. Alors là, on peut vous dire que Vandenmeer, une nouvelle fois, est parti de son terrain, ou pratiquement, et c'était Peters qui était au centre, qui lui, en revanche, était indiscutablement en position de hors-jeu, mais là encore, c'était juste. On joue juste avec le feu, là. Et on va peut-être finir par se brûler, Anziani. Anziani, Djadaoui pour Ruti, ça ne va pas tarder, voilà. Durkalić est maintenant sur l'aile gauche, à droite il y a Patrick Rivelli, au centre toujours la tête de Stopira qui est et celle de Spelbos évidemment. Hovenkamp, Jonker, Nygaard qui a vu Peters, mais Posca a été bien placé également. Stopira, oui. Oui, il peut partir tout seul, bien fait de la part de Stopira et Arns qui avait laissé Anziani là-bas, a très bien joué le coup. Car Yannick Stopira sur cette action partait seul au but. Quand on pense à la réputation d'AZ67 quand même qui domine le championnat des Pays-Bas, 10 points d'avance sur Feyenoord, demi-finaliste de la Coupe des Pays-Bas, demi-finaliste de la Coupe de l'UEFA, invaincu en championnat, il y avait de quoi avoir des complexes. Eh bien les Socialiens qui ont une carte de visite moins brillante, eh bien n'ont aucun complexe et c'est tant mieux. Et que Hans qui ne disputera pas le match retour va peut-être sortir du terrain, pour l'instant il semble touché au rein. Après le tacle devant Stopira, ça va beaucoup mieux là. Voici Arns. Jenghini, Ruti. Stopira ou Spelbos, éternelle question. Ben là, il y avait un coup de coude de Spelbos. Hovenkamp, et oui. On ne prend pas le moindre risque. C'est normal. Mais on doit être un peu surpris côté néerlandais par cette équipe de Sochaux. Ici avec Posca, puis Bezaz, Toll qui protège bien son ballon, peut-être un peu trop. C'est en tout cas ce qu'estime M. Toka. J'aurais toujours un problème. Voilà, c'est Toka. Rapidement joué par Posca cette fois, avec Djadaoui, Anziani, Djadaoui, Ruti, Patrick, Rovelli, Anziani, face à Medgod, Eric Benoît, il va tirer, oui. Très bon tir d'Eric Benoît. Et belle prise de balle d'Eric Benoît et bel arrêt aussi de Treitel. Et belle prise de balle de Treitel. On revoit au ralenti, ce qui dénote une certaine confiance. Ce n'était pas facile pour Eric Benoît. Ah, il tente tout et cela un peu dans toutes les positions. Comme bien souvent avec Durkalić. Et là, Eric Benoît, Medgod. Un partout donc. Et Medgod pour Treitel. Attention à Jonker. Qui a beaucoup d'avance sur Bezaz. Bienvenue. C'est une touche. 33 minutes de jeu. Touche effectuée par Jonker pour Welzel, pris en sandwich et c'est un coup franc en faveur d'Alkmaar. Coup franc qui va être tiré vraisemblablement par Hugo Hovenkamp, 30 ans, capitaine de l'équipe qui joue très vite pour Jonker. Attention au tir de Jonker, contré par Abdel Jalawi qui est remarquable depuis le début de la rencontre. Durkalić, Djadaoui, ah oui, pour Stopira, qui va la prendre, non. Yannick
Stubira qui rouspète un peu, qui réclame des coups francs pour les charges de Spelbos. Djurkalić, oui. Et là, en l'occurrence, avait tort car le tacle de Spelbos était tout à fait régulier. Andiani, Philippe Andiani va tirer. Non, il passe. Et la charge de Medgod a perturbé son action. Bosca, j'allais dire pour Bezaz, mais là tout de même. Remise en touche, Nygaard, Jonker est tout seul. Oui, mais alors là, il est vraiment maladroit avec les mains, le Danois. C'est une nouvelle touche. Nous allons retrouver Nygaard en temporise côté Alkmaar et le capitaine Hovenkamp prend beaucoup de temps pour passer ce ballon au numéro 10 d'Alkmaar. Toll, Arns, non, là entre Nygaard et Arns, le courant n'est pas passé, Benoît, non, là aussi devant Djurkalić, Hovenkamp, Nygaard et première montée d'Hovenkamp pour rien, Hovenkamp qui se distingue très souvent dans ce genre d'action. Il est pratiquement ailier gauche. Et on peut vous dire que la semaine dernière contre Haarlem, une équipe de deuxième division, et bien son adversaire direct a joué tout le match arrière droit. Et Hovenkamp était toujours sur la gauche. Voilà, et Roneos a demandé à Djurkalić de fixer Hovenkamp en défense. Bien entendu, comme l'avait fait Rep en Coupe d'Europe contre Hambourg avec Manfred Kals. Et que pour l'instant on rate beaucoup de passes, des deux côtés d'ailleurs. Et nous retrouvons Eddie Treiten. Jonkers et Bezaz qui, non, ne prend pas le dessus. Nygaard, crochet de Nygaard. Intervention de Benoît, Djurkalić. Et Benoît qui vient l'aider. Ah oui, ça commençait à faire beaucoup là. Ça a commencé à faire beaucoup entre les quatre joueurs, en particulier entre Jonker, Benoît et Bezaz. Et c'est une faute en faveur de Sochaux. Coup franc tiré par Jean-Pierre Posca. Sochalien se replace et se cherche un peu. Ouais. Philippe Anziani, à qui Jean Fauvert fait beaucoup de signes depuis le banc de touche. Pour la tête de Stopira. C'est Arns qui est intervenu, Nygaard, Medgod, pas sûr de lui, Arns, Nygaard, Van den Meer. Très bien joué. Remarquable, Peters, centre de Peters, attention, dégagement de Posca, Van den Meer à nouveau, ah il replie le poil de la bête, et là c'est Patrick Rovelli qui vient d'utiliser cette expression à son avantage. Patrick Rovelli pour Yannick Stopira. Bezaz, Posca. Bezaz et Djurkalić qui a glissé avant le départ de la balle. Et les Sochaliens qui se laissent endormir par ce faux rythme-là. Et qui ont du mal maintenant à mettre en difficulté la défense d'Alkmaar depuis 10-15 minutes même. Il ne s'est pratiquement rien passé. Le ballon, en revanche, circule beaucoup mieux du côté des rouges. Spelbos. Nygaard. Eh, Wenzel et Ruti étaient partis au bon moment. Et là encore, ça va très vite. Hein. Finalement, ce juge de touche va finir par laisser son drapeau en bas de ces jours. Anziani. Djadaoui qui monte pour la première fois. Stopira, oui, Djadaoui. Alors que Jagini était tout seul. Medgod, il est libéraux, mais enfin il est arrière droit. Et sur cette action, c'est assez curieux car les Sochaliens étaient très bien placés. Le revoici, Medgod. Va donner peut-être à Peters.
Attends un petit peu, oui, là rate complètement sa passe, c'est Djadaoui. Et bienvenue. Et Owen Camp, sous nos yeux, n'est pas content du tout. Philippe Anziani, Abdel Djadaoui. Jean-Pierre Posca. Moussa Bezaz. Posca. En retrait. Un peu coincé le long de la ligne de touche. Par Kistol en particulier. Ruti. C'est vrai que les Sochaliens donnent l'impression de se laisser un peu endormir en ce moment. Philippe Anziani. Il reste 6 minutes avant la mi-temps. On a déjà vu 2 buts. On est content. S'il y en a d'autres, on sera encore plus content. Bernard Genghini. Ruti. Djadaoui. Attention au contre. Éric Benoît. Il va peut-être tirer. Il a de la réussite aujourd'hui. Voilà. Nouveau tir, mais ce n'est pas le meilleur tir d'Éric Benoît qui a perdu sa chaussure. Ah, il n'a pas joué depuis 3 mois et demi. Et c'est son... Ah non, c'est son pied droit. Il était blessé au pied gauche. Vous pouvez supposer qu'il avait une chaussure inhabituelle. Il faut qu'il aille se rechausser. Peut-être en dehors du terrain. Non, l'arbitre le laisse. Sur la gauche, voilà, vous l'avez vu au passage. Il joue en chaussettes pour l'instant. Attention à Toll. Contact de Djadaoui alors que Benzal était bien placé sur cette action. La contre-attaque sera peut-être dangereuse encore. Il y a 6 rouges pour seulement 3 jaunes. Alors Anziani garde le ballon, il a raison. Le temps que ses camarades se replacent. Ruti, sur sa gauche, il y a Djadaoui. Mais là, ça va passer par le centre. Stopira et Junker. Milieu de terrain qui se retrouve parfois stopper et de temps à autre, ailier gauche. Et dans cette équipe, tout le monde fait tout. Hein. Tout le monde fait tout. Tout le monde attaque, tout le monde défend. Football total. Oui, c'est ce que certains appelaient le football total, mais tout de même, nous sommes loin de l'Ajax du début des années 70. Attention pour l'instant à Benzel. Toll n'est pas loin, Benzel, il y a maintenant Jonker et Benzel qui tire. Oui, il ne fallait pas relâcher le ballon car Toll n'était pas loin. Oui, on vous disait, il manque quelque chose évidemment par rapport à l'Ajax du début des années 70 où il y avait un petit peu plus de génie, il y avait un certain Johan Cruyff. Et là, il n'y a pas de Johan Cruyff, même si on dit beaucoup de bien de Yann Peters, un peu trop d'ailleurs à mon goût. Ah bon? Oui, parce qu'on a fait beaucoup de bruit. on a dit beaucoup de bien de Peters à la suite de ses 2 buts marqués avec les Pays-Bas contre l'Angleterre lors d'un match amical. Et puis depuis, je trouve qu'il n'a pas vraiment confirmé. Et on s'en était aperçu récemment dans le match contre les Pays-Bas. Coup franc Michel avec Genghini. Voilà. Coup franc tiré par Bernard Genghini et il reste 3 minutes avant la mi-temps. Pour la tête de Stopira, c'est la tête de Spelbos cette fois. Medgod, et qui passe en retrait à Freitel. Qui prend tout son temps. Un match nul, c'est tout de même une bonne affaire à l'extérieur. Car vous le savez, le match retour aura lieu là-bas, à Alkmaar, près de la mer du Nord, à 60 km d'Amsterdam. Pas possible. Djadaoui, Ruti. Allez, il faudrait peut-être accélérer maintenant. Nous approchons de la mi-temps. Genghini, bon 1-2. Ruti, oui, il s'engage. Un centre, mais Djokanic. Ah là 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 là. Il fallait peut-être anticiper sur ce genre d'action. Il est évident qu'à bout de course, Ruti aurait certainement eu beaucoup de mal à redresser le ballon. Ça nous rappelle un petit peu le centre de Jean-François Larios dans le match contre les Pays-Bas que n'avait pu reprendre Bernard Lacombe. Corner tiré par Djurkalik qui a cherché au premier poteau Philippe Anziani. Ça nous rappelle là, le dernier tour de Coupe d'Europe, mais c'était de l'autre côté. Un corner direct. On avait cru que Anziani l'avait touché. Finalement, il était allé directement dans les buts. À nouveau Djurkalik et Patrick Revelli qui charge le gardien. Posca, attention à Benzel. Djadaoui et tout le monde repart.
Mais tout le monde sauf Durkalik qui est hors jeu. Ah, ils font ça 100 à l'heure hein, sur les contre-attaques. Toute la défense remonte, il n'y a aucune exception. Et oui, comme leur glorieux aîné de l'Ajax d'Amsterdam, un nom qui revient souvent. On remonte très vite. Et là, alors, il n'y a pas beaucoup de solutions. Ou on s'engage seul. Mais là, c'était tout de même très difficile pour Jadawi. La dernière minute, donc, avec Nygaard, Spelbos, Peters. Nygaard. Toll, pas en jeu du tout. Le juge de touche fait d'ailleurs signe de jouer. Jonker, qui était sur son bon pied, qui a été contré au dernier moment. Toll. Peters s'est engagé. Toll également. Mais le juge de touche... Ancien chef de gare avait levé son drapeau. Protestation de Kistol. Et c'est toujours à la limite, hein, on se répète, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Bezaz, 10 secondes. Stopira, 5 secondes. Il y aura peut-être quelques arrêts de jeu. C'est une touche qui va être vue rapidement par Bezaz pour Durkalik. Oh là! Ah oui, charge de Johnny Mengold. Et c'est la mi-temps. Mi-temps donc sur ce score d'un but partout. Premier but marqué par les Néerlandais d'Atmar, par Hans, après un très joli 2 avec le numéro 6 Peters. Et puis c'était à la 15e minute. Et 8 minutes plus tard, une tête plongeante de Gingini à la suite d'un très bon centre de Sali Djurkalic. Donc ici au Stade Bonal, un but partout entre les deux équipes. On se retrouve sur. Et pour Yann Peters et Jonker, c'est une affaire de secondes, le temps que Bernard Gingini montre à monsieur Datokat le changement. L'arrivée donc de Romain Zandona dans cette partie. Puis après monsieur Tokotak, quand vous voulez, nous on est prêts, les joueurs aussi semble-t-il. Peters, Jonker, Nygaard, il n'y a pas de changement côté AZ. Ruti. Stopira, bien seul sur ce genre d'action, c'est difficile. Tout de même, Zandona. Peut-être une faute de Toll, monsieur. Tokat a sifflé. Coup franc rapidement joué, donc, et premier ballon pour Romain Zandona, Patrick Rovelli. Zandona, qui voit Jadawi. Que voici. Ah non, il a eu un. Qu'est-ce qu'il a eu à la cheville subitement? Il s'arrête en pleine course, ça peut être inquiétant pour les Sochaliens. Ah oui, ça c'est le drame. Je ne suis pas médecin, mais ça peut être très très embêtant pour l'équipe de Sochaux et pour son capitaine Abdel Jadawi. Ce serait vraiment une tuile pour les Sochaliens. Si Jadawi, je ne sais pas c'est quoi, ça peut être un claquage. Ben oui, il n'était pas chaud, là c'était sa première accélération. Oui, je ne vois pas autre chose. La cage à la cheville gauche. Jean Fauvergue, très inquiet. On le revoit, merci Lucien. Et Ronéos qui va venir peut-être nous expliquer, oui. Il s'arrête en pleine course là. Non, il est pas. Non, Ronéos redescend, il était venu nous rejoindre, mais on comprend très bien qu'il préfère descendre sur le terrain. Pour voir ce qui se passe alors que Abdel Jadawi se relève peut-être. Oui, en tout cas, c'est sûrement. Et il quitte le terrain et ça, c'est un coup dur pour Sochaux d'abord, parce que Jadawi est un des joueurs les plus importants par son poste, bien sûr, libéraux. Et puis aussi, Sochaux a déjà effectué un changement de joueur, donc à la mi-temps, Zandona, il y a seulement une minute. Alors, est-ce que Jadawi va être remplacé pour l'instant peut-être par Jackie Collin, qui est un milieu de terrain dont on nous a dit le plus grand bien ici. Ça va repartir en tout cas, oui. Ouais. Et les Sochaliens se retrouvent donc à 10. On espère que ça ne sera pas trop grave. C'est reparti, Ruti. Rust. Zandona est au centre maintenant à la place de Jadawi.
et Patrick Rivelli va revenir peut-être au milieu de terrain. Tête de Spelbos, Benoît, Anziani, Stopira, il tire, ballon contré par Medgod, mais Fettel a pu éviter le corner. Vandenmeer. Faute de Patrick Rivelli, Ruti, non là, c'est correct. Stopira, là oui, sous les yeux de monsieur l'arbitre turc. Oui. Et voilà, oui, coup dur. Alors, Jacky Collin, et oui, il y a Jacky Collin qui va faire son entrée. On a beaucoup parlé de ce jeune joueur ces dernières semaines. C'est sa grande première. Il avait déjà joué 20 minutes contre Monaco en Coupe de France. Le match retour, 10 minutes par-ci par-là. C'est son premier match en Coupe d'Europe et dans quelles conditions? Enfin, les jeunes n'ont plus peur de rien. On s'en était aperçu déjà l'année dernière avec Oleksiak qui avait fait une rentrée formidable contre une équipe néerlandaise aussi. Il s'agissait là du PSV Eindhoven. Jacky Collin qui est un milieu de terrain. Et Zandona joueur libéraux. Thank you.
70, pardon, 70. Ouais. On pose Victor, le gardien de Tchécoslovaque, ça avait failli rentrer.
mais Vigard n'est sans doute pas pelé. En tout cas, c'était bien vu et bien essayé. Anziani. Djurkalic. Holmkamp se prend le dessus maintenant. Il n'avait pas été le cas en première mi-temps. Anziani, Posca. On ne bouge pas beaucoup hein, en attaque. Tête de Sopira devant Melgoz, il faut le faire. Devant Felbos, exactement, il faut le faire. Felbos, qui avait pris le dessus de la tête, tenez-vous bien, contre les Irlandais il y a quelques semaines de cela, en éliminatoire de la Coupe du Monde. Il était stopper également lors de cette rencontre. Il avait pris le dessus sur des joueurs comme Stapleton et Gibbon. Il faut vraiment le faire. C'est une belle référence à Yannick Sopira, là, qui joue. Sous les yeux de Michel Hidalgo, là, on vous le répète, marque peut-être des points. On ne reviendra pas sur les problèmes de l'avant-centre en France. Posca. Il cherche. Benoît. Posca. Oh là là, la mauvaise passe. Oh là là, que c'est dur! Et tir de Belzel. Allez, les Sochaliens sont vraiment perturbés. Hein. On le fait à moins, vous me direz. Mais il faut tenir. Tenir, et bien sûr, marquer un ou deux buts avant le difficile match retour où il n'y aura pas, bien entendu, Djenaoui. Il s'est tué au tambour de la Chine, c'est très très grave, il n'y aura pour plusieurs mois. Heureusement, les Sochaliens retrouveront Ivedic, suspendu pour cette rencontre. Zandona, Posca. Et Eric Benoît, fatigué hein, pour l'instant, il marche là. Lui qui court toujours généralement. Il n'a que deux matchs dans les jambes, on veut à lui. Djurkalic. Il aura du mal, là, Posca pourrait peut-être venir l'aider. Une faute, oui, signalée par le juge de touche. Coup franc pour Sochaliten. Ça peut être une bonne affaire ce coup franc, car Djurkalic. Les tirs très bien. Et presque tous les socialiens montent, en particulier Jean-Luc Rudy. Ils sont tous là. Il y a Zinghini d'abord. Attention à la reprise. Il n'y a personne, si Jackie Collin, mais loin. Il se retrouve face à face avec Metcalf. Oh, super pour les deux. C'est bien joué. Rudy continue malgré la charge de Van der Meer. L'arbitre l'a joué. Non, il siffle. Ah oui. Alors, il faut siffler, lui disait Jasmine God. Il a attendu, et finalement, c'est un coup franc en faveur de Sochaux. Ça revient bien. Coup franc avec Patrick Lévy. Donc, une faute sur Jean-Luc Petit, qui avait très bien attaqué sur cette action. Comme le font si bien les Néerlandais. Alors, il y a beaucoup de rouge, quelques jaunes, dont Sopira. Oh, super réflexe de Tretel à la suite de cette tête de Yannick Sopira. C'est un corner. Il y avait 5 rouges au moins pour seulement 2 Sochaliens, Jenny et Yannick Sopira, qu'on a vu. Et qu'on va en voyant, oui. En voyant la tête. Je crois que c'est Jenny finalement. Vous avez raison. Car les feux de Yannick Sopira sont courts, il est alarmé. Corner vite joué. Et Zinghini qui traverse complètement le terrain et qui conserve le ballon, c'est très bien joué de la part de Zinghini. Centre de Zinghini pour qui? Ah là là, pour Wenzel. Posca, il n'y a pas de hors-jeu pour l'instant, l'arbitre n'a pas levé son drapeau, c'est important. Philippe Anziani. Centre contré. L'instant de torpeur est passé pour les Sochaliens, ils ont repris confiance. Arns loin devant, Zandona. Pied gauche pour Patrick Rovelli, battu de la tête par Metcalf, Arms, Felbos, Hovenkamp, Peter, au centre il y a Stoll et Wenzel, centre de Peter, et il y a aussi Nygaard, qui est un bon joueur de tête. Et faute sur Kistol qui n'est pas sifflé, enfin en tout cas Kistol est bien tombé. C'est difficile à voir. Oui, il y a une faute de Jenny sur Kistol là. Et l'arbitre
va hésiter. Durkalić. Il aura du mal maintenant car Vegard est revenu et il ne peut faire que faute au début de ça, il fait que faute. Et dans les deux au sol, oui. Touché à la vie. Et pour une fois, je ne conduis pas du cinéma. Certainement pas. Non, non. On dit généralement, lorsque les équipes évoluent à l'extérieur, elles gagnent des précieuses secondes dans ce genre de conditions. Mais là, on peut vous dire que Steve Bull, qui est toujours par terre, doit souffrir réellement. Droite, voilà. Ça dépend. Et il repart. Ce n'était tout de même pas très grave. Et salut le public qui dit, bien entendu, ce sont des vieilles habitudes. Alors on va repartir avec le coup franc là-bas. Owen Kamp, Peter, pour Jonker. Bien, Ozziani. Toujours Ozziani, Djurkalić. Il dépasse le match car il avait devant lui deux Néerlandais. Centre de Philippe Ozziani. C'est une faute de Spelbos au départ sur Topira. Dégagement, on dégage un peu comme on peut. Et on remonte très très vite, ça va être dur. Romain Dandona, non, il n'y avait pas d'enjeu, peut-être Jean-Gini. Et c'est elle. Il nargue Jean-Luc Rassi avant de venir rapidement à Spelbos. Raven Kamp, bien joué pour Peter. Peter dans l'axe qui va tirer et bel arrêt, très bel arrêt d'Albert Ruth sur cette attaque rondement donnée et conclue par Yann Peters, Romain Vandena. Il y a certains qui auraient pu aller au bout de son action car il était tout seul et Romain Vandena était assez loin. Oui, voilà la sélection de Yannick Sofira, j'ai dit. Ah, Sofira, il rate son fossé. Fossé trop long, il met de l'autre avec beaucoup de sang-froid. Donne à Vandenmeer. Boum. Oui. Mais c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Pas content, Richard Vandenmeer. Petit à petit, il n'a que 20 ans. Il a 20 ans, il est international junior. C'est le Benjamin de cette équipe d'Anvers 67. Tranquillement, Denis Medgod. Il ne fait pas son âge, il n'a que 23 ans. Ligard. Medgod. Arm. Vandena. Toujours Vandena, soutenu par le public. Il ne se lasse pas, et il a raison. On ne vit pas tous les... On ne vit pas souvent dans sa vie une demi-finale de Coupe d'Europe. Peu d'équipes françaises l'ont fait. Sochaux est la cinquième. Et si les Sochaliens se qualifiaient, elle serait la troisième équipe française. Quatrième équipe française à disputer une finale. Rhin, Saint-Étienne, Bastia. Voilà, on ne va pas faire victoire. Revenons au fait immédiat. Avec ce coup franc qui est joué par Yann Peters. Et nous en sommes à la 21e minute de la deuxième mi-temps. Et toujours un but partout. Peters, Medgod, bientôt pour Spelbos, le voici Spelbos, il y a Owen Kamp à gauche, mais monsieur Spelbos préfère revenir vers la droite, c'est son endroit, Ligard, voilà, ça complètement raté, Rüti, Djurkalić, interception Ligard, cette fois, c'est Toto avec Zandona, Ozziani. Ah oui, c'est peut-être pas la bonne solution, surtout que Djurkalić était seul au centre. Heureusement, monsieur Tak au 4. Oui, Talat est au 4. Ouais. C'est bien. Franck. Zanghini. Ozziani, bien joué. Philippe Ozziani toujours. À gauche, Colin. Et voici Colin. Il nous envoie du Sofira en prise. Oh là 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 là. Il ne faut jamais dire plus avant qu'il y ait but. Vous entendez quelque chose. On a été tenté là. On n'a pas fait. Peter. Contre de Benoît. Wenzel.
Avelkamp. Ah, bien joué. Kittel tire contré par Dandena. Alors qu'à gauche, Jonker était absolument tout seul. On reviendra peut-être cette action dans Télépoule samedi prochain. Belzel, Arne. Ah oui, les Néerlandais, ils baladent, hein, il faut bien dire. Depuis la sortie de Belgebaoui, les Socialiens sont un peu perdus. Lévy s'accroche, tout comme Patrick Lévy, qui a hérité du brassard de capitaine depuis la sortie de Jadaoui. Peter, pour Vandenmeer, signalé hors jeu. 23 minutes de jeu, reste donc 22 minutes avant la fin du match. 22 minutes pour que Socho, pour bien faire, marque au moins un but pour aller à Alkmaar avec des chances, disons. Eric Benoît, la Coupe d'Europe, c'est quand même particulier. Tout peut toujours arriver. Dandena, Posca, Andiani, bien joué. Ah oui. Andiani toujours, et là, une faute de Hugo Ovenkamp. Non, pas de carton. Non, non. Il est hésité, hein. Non, pour les un geste vers la poste, arrière du corps. Il va. Coup franc en tout cas pour Djurkalic. Tous les rouges sont en défense, c'est normal. 4 jaunes, Ruski, Topira, Djurkalic et Patrick Crevelli. Est-ce que ça sera suffisant? Peut-être non. Andiani, oui, une deuxième fois là. Les Socialiens n'avaient pas d'autre solution. Là, et c'était bien joué de la part du numéro 6, Philippe Andiani, qui a tenté sa chance deux fois. Il a baissé les chaussettes, Philippe Andiani. C'est parfois un signe de fatigue chez les joueurs. Il était pas sûr de jouer, il va être obligé d'aller jusqu'au bout. Topira, Jacky Collin. Il faut l'aider là, ouais. Faut l'aider parce que derrière Jean-Luc Petit, dans devant, un peu trop fort pour Eric Benoît. Ruki, oui. Dandena et les rouges remontent rapidement, mais cette fois ils vont se replacer. Djurkalic, Patrick Temeli. Allez, Eric Benoît, il faut tirer. Bien joué. Bien joué. Bien joué, Eric Benoît. Et regardez-le. Il n'en fait qu'une secoue, oui. Et malheureusement, elle n'est pas passée loin, il fait signe de la main, elle n'est pas passée loin, et oui, elle n'est pas passée loin, on le revoit d'ailleurs. Cette bonne prise de balle de Patrick Crevelli face à Van der Meer, et le contrôle sur le pied droit d'Éric Benoît, et au ras du poteau. C'est tout juste, même si le gardien a failli la toucher. Il ne l'a pas touché, il était bien passé, mais il aurait pu être trompé par le rebond, on ne sait jamais. Gingini, Patrick Crevelli, Jacky Collin. Oui, pour Djurkalic. Andiani n'est pas loin. Oui. Ah non, il l'a poussé un peu trop loin. Et avec beaucoup de sang-froid, Ligard redonne à Peter. Ah. Oui, c'est une faute au départ. Alors, sans doute pas le sac, mais une petite poussette d'un joueur tout seul au départ. Et petit accrochage entre Peter et Eric Benoît, qui n'est pourtant pas un méchant garçon. Il y a tout de même son caractère sur le terrain, ce qui est une bonne chose sur elle, bien entendu. Et coup franc à 30 mètres, début de Socho. Doucement, Djurkalic qui a également discuté avec l'arbitre turc. Il parle aussi, c'est ça. Ovenkamp pour la tête de Kittel. Et c'est à côté, le public cible, bien entendu. 27 minutes de jeu. Toujours un but partout. Et une équipe de Sochaux remaniée en raison de la blessure de Jadaoui qui est sortie. Et qui a entraîné l'entrée de Jacky Collin, que vous voyez. Et qui pour l'instant se comporte fort bien. Yannick Topira, Ruti, Topira, il y a sur le terrain plus de la moitié de l'équipe qui sort du centre de formation de Sochaux. Et ça, c'est remarquable.
Peter. Melgod, attention sur la droite, Vandenmeer. Vandenmeer toujours. Nygaard, Jonker, Wenzel, Arndt. Intervention de Posca, Peter, renverse. Vandenmeer en jeu. Anziani, Felbos, alors que Patrick Révelli réclame un coup franc et qui saute, qui n'a plus dévié le ballon à destination de l'Autrichien Wenzel. Elle se battue dans tous les domaines là pour l'instant les Cochaniens et il n'y a plus de milieu de terrain. Peter se promène maintenant. Wenzel. Il en fait beaucoup, hein. Oui, il ne réussit pas grand-chose, alors ça va encore. Wenzel, il y a beaucoup de mal à terminer en fin de saison. Alors qu'on joue le 4-4-2, évidemment, les deux attaquants sont mis souvent à contribution. C'est très éprouvant. Il faut couvrir un peu dans tous les sens, de droite à gauche, de gauche à droite. Et là, Wenzel s'en sort plutôt bien avec une touche. Touche toujours jouée par Jonker. Récupéré par Benoît, Posca, devant Taul, Eric Benoît. Eric Benoît qui veut lancer Patrick Revelli, mais Metgod a été le plus rapide, il avait tout vu et tout compris. Attention à la fin de Kip Taul et une faute de Jandela. Une faute de main, semble-t-il. Oui, malheureusement. Une faute de Romain Jandela et encore un coup franc dangereux, j'affirme, pour l'équipe d'AZ. Cette fois sur la droite, il devrait peut-être parfaitir. Compte tenu de la tournure des événements, je crois que le match de Sochaux est finalement pas si mal et un match retour, après tout, sur 90 minutes, on ne sait jamais, car les acteurs les plus nets sont indiscutablement à mettre à l'actif des joueurs néerlandais, alors que l'un de ces joueurs était signalé hors jeu sur ce coup franc de Jan Peters que vous voyez ici, Jan Peters, que l'on connaît un peu mieux que ses camarades. Quelques privilégiés en tout cas, on l'avait vu au tournoi de Cannes avec la sélection néerlandaise junior. Et puis quelques années plus tard, au tournoi des espoirs à Toulon, et là il tournoi de Cannes. Vandenna, tournoi de Toulon aussi. Dangereux. Patrick Revelli. Intervention de Metgold. Nygaard. Attention, il y en a un qui est en jeu, c'était. Ah oui, il a dit c'est bien. Il n'y avait pas de discussion possible. Mon cher Wenzel. Vous étiez hors jeu, il faut le savoir. Jackie Collin, Collin toujours, Patrick Revelli capitaine, remise pour Jackie Collin. Nygaard, Peter, attention, attention à Wenzel, là il est bien parti, et bonne sortie de Russe. Il n'y avait pas d'autre solution, c'est bien joué de la part d'Albert Russe, car là Wenzel n'était pas hors jeu. Collin, c'est reparti très vite en Vienne, Patrick Revelli. Philippe Anziani talonne pour Bernard Zenghini, serré de très très près, oh là là, oui, par Arndt, Anziani, Collin, va peut-être renverser, voilà qui est fait pour Posca, le vaillant Posca, Djurkalić qui va passer, et qui, oui, qui est bien passé, et qui a là deux adversaires qui centrent. Topira était bien placé, Spelbos, il n'a pas peur. Il a tapé. Il a moral, ouais. Il n'a pas peur. C'est un corner. Il n'avait pas d'autre question que Topira était très bien placé. Il a failli mettre une belle lucarne là. Spelbos. Le corner tiré par Jean-Gilly. Pestel ne sort pas. Ruti. Ah, Benoît devancé au dernier moment par Medgod. Jandela, ils sont tous là, il y en avait 4 ou 5 d'entre eux. Ouais. Ils sont revenus moins vite. C'est un signe également. 32 minutes de jeu en deuxième mi-temps. 32 minutes de jeu, tout
un problème pour cette équipe entraînée par Jean Kiesler. Vandemir en retrait pour Metzger qui applaudit. C'est bien mon petit, continue comme ça. Et toi, tu prends des sifflets. On les attend là-bas. Metzger. Oui. Pour Ronald Spelbos. Pour Ronald Spelbos. Ligarde. Intervention de Djurkalic. Une ouverture pour Colin. Belzel, interception, tête de Zandona, Ligard. Et il y a hors jeu de Robinson et Peter. Très bien fait de la part de Zandona qui est parti au tout dernier moment. Ça se passe ici au jeu. C'est indiscutable. Eric Benoît pour Philippe Panziani, marqué par Jonker. Tape en touche, comme dirait nos amis du rugby. Et tout ce qui va être effectué par Philippe Angeli. Oh, oui, pour Djurkalic, qui a essayé de déraper au départ. Djurkalic pour la tête de Sopira, la voici. Pour Jackie Collin. Jean-Luc Ruti qui monte et qui le prend des risques, les Sotoliens. Zangili. Ruti. Ruti pour la tête de Zangili. Reprise peut-être de Djurkalic, non. Tranquillement, Jonker. Et Posca qui est battu par Itol. Peter s'est bien engagé, mais Itol pousse trop son ballon et Zandona était bien arrivé. Ils étaient 3 contre 2 pratiquement. Et si Itol devait glisser le ballon à Peter, c'est bien ce dernier partait tout au but. Encore une fois, il est évident que l'action des Finlandais sont néerlandaises. Ça ne se discute pas. Ovenkamp, il va peut-être remonter dans le dernier quart d'heure. Oui, Sopira, bonne attention tout de suite, Zangili, oui. Allez, Zangili, il faut appuyer encore, porter le ballon. Ah, le blessure Kalik, c'est sur la droite, pourquoi? Là encore, il était à bout de course, Zangili, et il en veut peut-être un peu à son camarade de Yougoslave. C'est évident qu'il ne pouvait pas redresser complètement son ballon, c'était une petite fille, et Djurkalic aurait, semble-t-il, dû repousser vers le centre tout de suite, comme l'avait fait Yannick Sopira. Zandona, Zangili, Benzel et hors-jeu de Peter. Ah, les arbitres auront levé le bras, les arbitres de touche auront beaucoup levé le bras durant ces 90 minutes à Sochaux. Ruti pour Posca. Anziani, Priant Sandoui. Et qui, oh là là, Anziani a l'air blessé. Il se tient la cheville droite, alors que Posca vient de mettre en touche. Il n'y a plus de possibilité de remplacement à Sochaux, vous le savez. Il faut tenir jusqu'au bout. Et il reste, nous en sommes à la 36e minute, il reste donc 9 minutes. Excellent calcul, mon frère. Merci. Vettel, fière sollicité dans cette deuxième période. À l'exception du fait de Zangili, il ne s'est pas passé grand chose. Peut-être une main dans l'arbitre s'est joué et le petit Jackie Collin est bienvenu. Jackie Collin, c'est le Sochaux de demain. Djurkalic en retrait pour Éric Benoît. Passe complètement. Zangili, un contrôle, c'était pas facile dans une telle position. Et les rouges remontent tranquillement, tranquillement, vous n'y voyez pas pour l'instant, c'est un bel russe qui relance. C'est un peu spécial devant l'avenir pour la bonne étape de raison qui avait été bousculée au passage. Ça n'a pas fait qu'elle est dit pour un grand de l'hôtel. Metzger pour Spelbos. Belzel. Jonker.
Et Peter qui fait des appels de la main. Et bonne sortie d'Albert Rus. Superbe sortie de Rus sur ce centre de Jonker. Encore un, me direz-vous. Et Rus est sorti dans les pieds de Gistol. Topira. Posca. Jackie Collin. Ruti qui arrive sur la gauche. Voilà pour Ruti. Et centre de Ruti. Belgold. Et Peter, c'est les socialiens sont très dégarnis. Peter. C'est Gilbert, c'était tant mieux. Enfin, encore, tu l'as bien lancé, Belzel. Jonker. Derrière lui, Ovenklamp. Il vient bientôt avoir le ballon. Voilà. Stoll, le but de touche, avait levé son drapeau, mais de toute manière, Rus, une nouvelle fois, a bien sorti. Évidemment, il peut anticiper énormément Albert Rus. Surtout son équipe joue le hors-jeu assez souvent. Et ça ne marche pas, bien sûr. Pour l'instant, Djurkovic, il rate complètement là une balle qui était sans doute à destination de Jeanne. Ligard, en tiers salle pour Vandemir, interception de Posca, Patrick Revelli, qui a du champ. Remet vers le centre pour Zengini, Djurkalić. Il va vraisemblablement centrer pour la tête de Topira. Et c'est une tête néerlandaise, en l'occurrence celle de Ligard. Posca, Posca, qui va tenter sa chance. Et il a réussi un corner. Corner qui va être tiré de la gauche par Sami Djurkalić. Corner donc Djurkalić ici sur le village. Et toujours pour les poteaux sur ce genre d'action, Philippe Angeli. Il rate une occasion vraiment en or. Philippe Angeli, il s'en veut. La belle occasion pour les Italiens. Nous revoyons ce corner tiré par Djurkalić. Et là, peut-être une main de Ligard et la reprise de Philippe Angeli à bout portant. Et Triton qui avait fermé l'angle au maximum. Mais quand même, c'était une occasion, comme on en trouve peu dans un tel match. Oui, surtout dans un tel contexte. Vous avez raison, Vandermeer qui fait des siennes et qui est pris en sandwich. Un hot dog qui joue le rôle de la saucisse entre Colin et Djurkalić. Peter. Et Medgold qui monte maintenant. Belzel. Medgold, Peter. Dandouna est arrivé. Et les jaunes sont assez bien placés. Cette urgence de Posca va pouvoir repartir avec Djurkalić. Gingini qui remet bien fait la pose de Djurkalić qui veut relancer là-bas. Oui. Ah, c'était bien imprécis tout ça alors que Patrick Félix. Lui était tout seul sur la droite, mais c'était pas battu. Et nous sommes en fin de match. Donc ce genre de transversal, évidemment. On aurait pu s'entendre en parfaite condition et là les Italiens qui ont beaucoup couru sont fatigués. Mais ils sont plus même comme Sopira qui vient faire jouer cette bosse. Ouais, pas de match difficile, mais il y a parfois des éclairs, comme tout à l'heure cette occasion pour Philippe Angeli sur corner. Alors gardons de l'espoir pour les Italiens dans ces dernières minutes de la partie. Ruti, prudent. Pour Albert Rus. Et allons-y. Pour la tête de Topira. C'est le boss. Peter. Et Djurkalić qui cette fois-ci semble touché. Alors que le jeu continue. Et que Albert Rus sort une nouvelle fois. Avec beaucoup d'à-propos. Et Djurkalić est blessé. Voilà, on arrête la partie quelques instants.
gros plan sur Durkalic, qui peut se faire soigner, qui peut éventuellement sortir, les Sociales ne font plus que 10. Je suis au genou droit, Durkalic. Et on demande, semble-t-il, la filière. Ensuite, de ce sac de Peter, mais c'était correct, hein. C'était correct, c'est un choc. Voilà, on revoit le sac, oui. Olivier. Vous allez voir, il est... C'est ça, il semble correct, mais après, évidemment, il met la semelle et il touche bien, bien le genou de Durkalic. Il est allé un peu loin, Peter. Il est allé au bout. Au bout de sa chaussure. Normalement, il doit fermer le pied, là. Et il a laissé l'entre ouvert. Alors, Durkalic aura comme souvenir de ce match, sans doute, les crampons de Peter sur son genou droit. Il se relève. Et encore des arrêts de jeu. Oui, des arrêts de jeu. Le temps est presque terminé, une minute en principe, mais il faudra bien compter deux minutes d'arrêt de jeu. Sans compter, bien sûr, la sortie de Jadaoui, là aussi, ça a été assez lent. D'accord, bien. Benoît, allez, oui, bien. Dans les 18 mètres, il faut refaire sa sortie de but, c'est le règlement. À notre chronomètre, il reste 1 minute, comptons 4 bonnes minutes d'arrêt de jeu, c'est-à-dire. Il reste environ 5 minutes maintenant dans cette partie. Thank you.